Bonjour, nous allons voir comment créer un groupe de boutons qui va rassembler les applis graphiques. Donc on crée bouton groupe et on tape un nom, appli graphique par exemple. Ça nous crée un groupe de boutons et on va rajouter des boutons personnels. On va commencer par Lightroom. On pourrait rajouter une icône, mais j'ai récupéré sur l'internet les logos. Donc je prends celui de Lightroom, je le fais glisser à cet endroit. Ici, Predefined Action, on choisit Controlling Other Applications, Open Application, et on va aller rechercher l'appli en question, en l'occurrence Lightroom, Open. Très bien. On va rajouter une seconde application, en l'occurrence Photoshop, donc on clique sur Touch Bar Button. Add to Selected Group. On va chercher l'icône, en l'occurrence une que j'ai récupérée. No action, on choisit Controlling, Open Application, et tout pareil. On va aller chercher Photoshop. On a très bien pu faire Open tout de suite. Très bien. Et on est obligé, on verra par la suite pourquoi, de faire un espace. On va rajouter Final Cut. Hop. Glisser. Dans les actions prédéfinies, on va demander l'ouverture de Final Cut. Est-ce qu'il est là? Et voilà. Donc en bas, on voit dans la touch bar qu'on a l'appli graphique. On clique dessus, on a bien nos applis, sauf le Final Cut, car en fait, je ne lui ai pas mis de nom. Il est obligé d'avoir un nom, ça pourrait être un espace. Donc je vais faire un espace et hop, oui, ça marche. Donc ça donne un petit décalage. Il y a peut-être une autre solution plus élégante que je ne connais pas pour l'instant. Voilà, merci.